Bismillahirrahmanirrahim. Dernièrement, on conclut le chapitre d'ostéologie avec le dernier segment osseux, qui est la main, avant d'entamer l'arthrologie. Donc, toujours ces 6% dans la description. Maximisez vos partages. Ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition et on continue notre premier chapitre. Donc, la main, ou bien le complexe osseux, le groupe osseux de la main, c'est l'organe terminal du membre supérieur. Prenez note de tout ce qu'on est en train de dire. C'est très important, Bob. Surtout la main. Elle a un rôle essentiel, double rôle, sensitif et motrice. Donc, premièrement, rôle sensitif, vous allez voir ça dans votre physiologie. Et deuxièmement, un rôle motrice qui est l'appréhension. Donc, le rôle fonctionnel de la main, c'est l'appréhension. L'avant-bras, c'était la pronosupination. Deuxièmement, maintenant, pour la main, c'est l'appréhension. C'est un os ferme et bien sûr asymétrique. Ce complexe osseux, il est orienté ou bien il est organisé sur trois plans. D'abord, premièrement, il est formé, si on vous pose la question, la main, elle est formée de 27 os, qui sont constants, bien sûr. On va voir la notion des os sésamoïdes inconstants qu'on a déjà vu au début de ce chapitre, dans les généralités. Donc, première rangée, la voilà, constituée par 8 os qui sont les os du carpe, premier rangée ou bien premier groupe. Deuxièmement, 5 os qui vont former le métacarpe, donc le carpe, si on vous pose la question, il va former les os ou bien la charpente du poignet. Par contre, les carpes ou bien le carpe constitué par ces incos, il va former la, ou bien la charpente de la paume de la main. Donc, ne confondez pas entre les deux. Carpe, c'est pour le poignet. On va voir ça dans l'arthrologie. Deuxièmement, les métacarpes, ils vont former la structure ou bien la charpente de la paume de la main. Et dernièrement, les phalanges, il y en a 14. Donc, 3 pour chaque doigt, à l'exception du pouce, bien le grand, bien. Premier doigt qui contient seuls 2 phalanges. Donc vous avez 8 carpiens, vous avez 5 pour le métacarpe, 14 pour les phalanges, et en total ça fait 27 os. Et comme il s'agit des os qui sont constants, bien sûr il s'agit des autres os qui sont inconstants. L'exemple le plus cité là, donc c'est les sésamoïdes du pouce, ils sont retrouvés comme on avait vu au premier cours, même au membre inférieur, on va voir ça prochainement. Les os sésamoïdes au niveau de l'hallux ou bien au niveau de la base du cinquième ou bien du premier métacarpien au niveau du pouce. Maintenant vous êtes habitué à ça. Après l'introduction et les définitions, on va passer à la mise en place. Après ça, l'anatomie descriptive et on va finir avec quelques notions cliniques et anatomiques. Donc, pour la mise en place, le pouce, il devrait être orienté latéralement. Voilà votre pouce. Voilà, en tridimensionnel, il devrait être orienté latéralement ou en dehors. Deuxièmement, la concavité de ce complexe, il s'agit pas d'une, il s'agit d'deux. Donc, le complexe de la main, il présente 2 courbures ou bien 2 concavités. La première, la voilà, qui est orientée sur l'axe sagittal ou bien l'axe de la main qui est première concavité sagittale, et une deuxième, la voilà, une deuxième concavité, une deuxième courbure qui est orientée selon un axe transversal. La main, dans la position de pronation qu'on a déjà dit précédemment, il s'agit de l'exacerbation de ces concavités, et en flexion ou bien en extension des doigts, vous allez voir la disparition de cette concavité physiologique, bien sûr. Une autre notion à ne pas oublier, si on vous pose la question, l'axe de la main, il est centré sur le troisième doigt, le grand doigt, ou bien le médius. Donc voilà votre axe de la main. Donc tout ce qui est là, en dedans de cet axe, on est en train de parler de la partie médiale ou médiane du complexe osseux de la main. Tout ce qui est là en dehors, c'est la partie latérale et l'axe. Voilà, c'est votre troisième doigt et vous allez noter que ce dernier, ce qu'on va engendrer le muscle lombrico, donc il restera immobile ou bien il donnera repère pendant l'éloignement ou bien l'écartement et le rapprochement des doigts. Donc, le pouce latéral, premièrement, la concavité. Là, vous êtes en train de voir, il s'agit là d'une concavité. Elle devrait être orientée en avant, voilà. Et vous avez là, vous pouvez dire que c'est une main qui est droite. D'abord, cette notion du pouce, vous allez faire besoin, ou vous allez l'utiliser, même dans l'interprétation des clichés, ou bien des radiographies de la main, lorsque vous allez voir la pathologie infantile. Donc, pouce latéral, concavité en avant, l'axe de la main devrait être centré
Au troisième doigt, faites attention à confondre entre ça et l'innervation, qui est basée sur l'axe du deuxième doigt ou bien du quatrième doigt. Donc, ça, c'est l'axe anatomique au niveau du médius. Maintenant, notre but de cette partie, c'est l'anatomie descriptive. Donc, on va les détailler l'un par l'autre. On va commencer premièrement par la première rangée. On répète les os qui vont former la charpente du poignet. C'est le carpe. Il est constitué de 8 os, de type qui sont bien sûr courts, pas comme les phalanges, pas comme les métacarpiens. Ils sont disposés, ces derniers, pendant deux rangées. Donc, voilà. Ça, c'est votre premier rangée. Le voilà. Constitué par 4 os. Et voilà votre deuxième rangée, constitué lui-même aussi par 4 os. Donc, deux rangées disposées. Une proximale, une rangée proximale et une rangée distale. Et notez-vous bien, les trois premiers os orientés latéralement de cette première rangée. On est en train de parler du scaphoïde, de l'unatome et du trichytrome vont former le condyle carpien qu'on avait vu précédemment et qui est la surface articulaire avec notre intitulé précédemment qui est le radius et même cette structure-là qui est le ligament triangulaire, n'oubliez pas ça, aussi une articulation là. Donc deux surfaces articulaires, donc la surface articulaire du radius plus le ligament triangulaire, on va tout détailler tout ça dans le chapitre d'arthrologie. Donc deux rangées. Donc, ils sont premièrement le scaphoïde. Voilà, premièrement le scaphoïde, le plus latéral. Deuxièmement, suivi par l'unatome, bien l'os lunaire, il a été appelé anciennement. Troisièmement, le trichytrome. Voilà votre trichytrome en tridimensionnel. Et dernièrement, le petit os, là, ça c'est du pisiforme. Il ne représente pas une surface articulaire, on répète. Seulement le scaphoïde, l'unatome, le trichytrome qui représente, et n'oubliez pas ce terme, le condyle carpien articulaire avec le radius qu'on avait vu précédemment. Donc ça c'est premièrement, on répète, ces os ils sont orientés de dehors en dedans. Confondre pas. Donc de dehors en dedans, vous allez citer scaphoïde, l'unatome, trichytrome et pisiforme. Faites attention si on vous pose la question de dedans en dehors, l'ordre devrait être inversé du pisiforme jusqu'aux allées au scaphoïde. Donc ça c'est premièrement pour la première rangée. Deuxièmement, pour la deuxième rangée, donc là voilà, donc ce sont ces quatre os-là. Donc ils sont présentés toujours de latéral au médial, de dehors en dedans. On a premièrement l'os trapèze. Donc, voilà premièrement le trapèze. Vous avez deuxièmement le trapézoïde. Vous avez troisièmement l'os le plus grand, donc le plus volumineux si on vous pose la question, et qui s'articule avec presque tous les os du carpe. Et qui est le capitatum, n'oubliez pas ce nom. Et dernièrement, un os spécifique là. Donc voilà, ça c'est l'hamatome, il est en train. Bien, il présente, voilà, une expansion, bien une tubérosité, bien un crochet. C'est pour cela qu'on appelle l'hamalus ou bien l'os crochu. C'est de la même nomenclature. Donc ne confondez pas dans vos questions. Donc on répète, premier rangée, donc ça scaphoïde, l'unatome, trichytrome et le pisiforme. Et pour la deuxième rangée, vous avez le trapèze, premièrement articulaire avec le premier ou bien premier métacarpien, bien le pouce. C'est une spécificité. Donc voilà, le scaphoïde plutôt. Le trapèze, suivi deuxièmement par le trapézoïde, l'unatome, l'os le plus grand, et l'os crochu ou l'hamatome, et voilà la médius. Ces deux rangées, donc, ils sont reliés entre eux par une articulation qu'on va voir prochainement et qui est l'articulation intercarpienne. Donc, il s'agit d'une articulation intercarpienne entre les os du carpe. Il s'agit d'une deuxième entre le carpe et les métacarpes. C'est l'articulation métacarpo-carpienne. Et deuxièmement, vous avez les articulations dans les phalanges. Vous avez deux, l'articulation interphalangienne proximale et distale. On va voir ça en détail en arthrologie. Donc, ces os, ils sont unis entre eux par l'articulation intercarpienne. Les deux rangées du carpe, ils sont unis entre eux par l'articulation médio-carpienne. Donc on répète, entre les os du carpe, l'os avec l'autre, il s'agit de l'articulation intercarpienne. Par contre, là, voilà la ligne qui est illustrée là en rouge. Donc la ligne qui va séparer ces deux, donc c'est pas de la ligne intercarpienne. C'est l'articulation
Et c'est la lune médio carpienne. Donc ça c'est premièrement pour les os du carpe. Voilà les deux. Donc ça c'est une vue antérieure du carpe. Notez-vous bien que le pouce il est situé en dehors latéralement, n'oubliez pas cette notion. Et voilà, donc là c'est votre carpe toujours en vue postérieure. Donc ça c'est le condyle carpien, n'oubliez pas cette structure. Voilà l'articulation radio-carpienne. Et là c'est le lieu de l'insertion du ligament triangulaire. On est en train d'insister sur ces notions car ils sont très très hypertendables. Une autre structure que vous devez connaître, c'est le canal carpien. On va voir ou bien vous allez revoir cette dernière dans la pathologie lorsque vous allez engendrer votre neurologie du syndrome carpien, le syndrome du canal carpien qui contient premièrement cette structure-là qui est le rétinaculum des fléchisseurs qui représentera l'insertion musculaire des fléchisseurs du carpe. On va voir ça dans l'ostéologie, plutôt dans la myologie du muscle de l'avant-bras, premièrement. Deuxièmement, un tunnel ostéofibreux, on va voir ça, qui va céder le passage pour les muscles fléchisseurs des doigts, toujours dans la myologie, les muscles de l'avant-bras. On note, troisièmement, le passage des tendons fléchisseurs et du nerf médian. Donc, lorsqu'il s'agit d'une pathologie dans ce canal carpien, on peut avoir la compression du nerf médian. Donc, on appelle cette pathologie donc la maladie des sages-femmes. Vous allez voir ça toujours en neurologie. Donc, une compression de ce dernier, bien une pathologie, une inflammation, une rétraction de ce canal carpien va compresser le nerf médian et va donner une symptomatologie de type neurologie. Vous avez quatrièmement le canal ulnaire. Voilà votre canal ulnaire qui va céder le passage pour le nerf ulnaire. Et cinquièmement, vous avez le paquet vasculo-nerveux qui sont l'artère et le nerf ulnaire. Et bien sûr, toutes ces structures qui sont situées dans la face antérieure ou bien de la face palmaire, faites attention à ce piège, c'est de la même nomenclature. Donc, vous êtes censé de connaître les deux rangées, surtout les trois qui vont constituer le conduit carpien, la spécificité surtout de l'amalus, donc, qui représentera l'os crochu, bien qu'il y a le crochet. Deuxièmement, les passages des, premièrement, du nerf. Une heure de l'artère, une heure deuxièmement, tout ça, on va voir dans les prochains chapitres. Le passage des tendons fléchisseurs, et n'oubliez pas le rétinaculum des fléchisseurs qui est une insertion du muscle de l'avant-bras, la loge antérieure, on va voir ça dans la myologie. Donc, je pense que c'est clair pour premièrement pour le carpe, pour les os du poignet. Maintenant, on va passer au deuxième groupe, qui est le métacarpe. Et voilà, votre métacarpien, ils sont orientés, on répète, de dehors en dedans. Donc, c'est écrit dans votre support. Ça, c'est premièrement, c'est le premier métacarpien, numéro 1, ou bien pour le pouce. Deuxième, troisième, quatrième et cinquième, on répète, ils sont orientés de dehors en dedans. Faites attention de connaître ce piège. Donc, du pouce qui est latéral, c'est pour cela qu'on est sur le pouce, du pouce jusqu'au petit doigt, ou bien du cinquième métacarpien. Donc, ils sont constitués de 5 os, bien sûr, de type qui sont longs. Donc, c'est pas comme le carpe, c'est une autre différence. Ils vont unir le carpe en haut. Bien, ils sont unis au carpe en haut par l'articulation. Comme je vous ai dit, carpo-métacarpienne. On va la détailler ça dans l'arthrologie. Ils sont unis aux phalanges. Donc, voilà. À ce niveau-là, vous allez retrouver, ou bien à ce niveau-là, vous allez retrouver l'articulation carpo-métacarpienne. À ce niveau-là, vous allez retrouver l'articulation métacarpo-phalangienne, sa nomenclature qui va relier le métacarpe avec les os ou bien les phalanges. Voilà. Donc ça, c'est votre premier métacarpien. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Nous avons passé le dehors en dedans. Voilà, ça, c'est le lieu de l'articulation. Donc métacarpo-carpienne, bien carpo-métacarpienne. Et là, voilà, donc, cette ligne-là, c'est là, les cinq sont les articulations métacarpo-phalangiennes. Donc, les métacarpiens, ils sont dénombrés du premier M1 au M5, allant du pouce du petit doigt. Les cinq derniers métacarpiens seulement, faites attention à ce piège. Toujours lorsqu'il s'agit du pouce, il s'agit d'une exception. Donc, il n'est pas relié aux autres métacarpiens. Lorsqu'on dira articulation
intermétacarpienne, donc première, deuxième, troisième, ces trois articulations intermétacarpiennes, ils sont reliés ou bien ils sont présentes dans l'union, dans la jonction des quatre derniers métacarpiens, sauf le pouce. On répète, voilà votre premier métacarpien. Donc, il s'agit pas, attention, il s'agit pas d'une articulation intermétacarpienne entre M1 et M2. Ce dernier, il est seulement articulaire avec, comme nous avons vu, du os du trapèze seulement. Mais les quatre derniers, là, voilà, c'est écrit dans votre support, les quatre derniers métacarpiens, ils sont unis entre eux, si on vous pose la question, par l'articulation intermétacarpienne. Donc, vous avez premièrement l'articulation intercarpienne, vous avez deuxièmement l'articulation intermétacarpienne, si on récapitule, vous avez l'articulation carpométacarpienne, là voilà, vous avez l'articulation carpo, plutôt métacarpophalangienne, et vous avez la dernière qui est l'articulation interphalangienne qui seulement, on répète, sur les quatre derniers métacarpiens. Donc ça, c'était la deuxième rangée ou bien le deuxième groupe qui est le métacarpe. Il nous reste dernièrement que les phalanges, qui sont aussi des os de type long, qui vont constituer, donc on répète, le carpe, il a constitué la charpente pour le poignet. On répète sur ces notions, premièrement. Deuxièmement, les métacarpes, ils sont, bien, ils vont constituer les os de la paume de la main, n'oublie pas ces nomenclatures. Et dernièrement, bien sûr, les phalanges. Ils vont constituer la charpente osseuse des doigts. Il s'agit, on répète, de 14 os de type long. Faites attention, c'est presque comme les métacarpiens, mais plus de petite taille. Chacun des doigts, à l'exception toujours lorsqu'on dira pouce, il s'agit d'une exception, soit dans les métacarpiens ou bien dans les phalanges. Donc, tous les autres doigts sont trois phalanges qui sont nommées P1, P2, P3, de proximal. De la proximalité vers la distalité, jusqu'au là. Donc, ça, c'est le P1, première phalange. Ça, les quatre, ce sont les deuxièmes phalanges, ou bien les phalanges moyennes, P2. Et voilà, dernièrement, les phalanges distales, ou les P3. Sauf pour le pouce. Donc, il s'agit seulement de deux phalanges. Voilà, P1 qui est articulaire avec, on répète, le trapèze. Il s'agit pas d'une articulation intermétacarpienne là. Et dernièrement, donc voilà, P2. Donc P1 et P2 pour le premier doigt, bien pour le pouce, les quatre derniers doigts qui présentent, on répète, les articulations intermétacarpiennes. Il s'agit de trois phalanges. P1 c'est proximal. Attention à inverser cet ordre. P2 c'est les phalanges moyennes. On va voir ça dans l'insertion au muscle fléchisseur superficielle ou bien commun des doigts, et dernièrement distal P3, où on va noter là l'insertion du fléchisseur profond des doigts, tous ces muscles, on va détailler dans le chapitre de myologie. Donc, troisième segment, c'est les phalanges. Voilà, les phalanges, ils sont unis eux-mêmes entre eux par les articulations, on répète, interphalangiennes, proximales et distales. Donc, entre le trait, ou bien entre la première ligne, voilà P1, les phalanges proximales, et P2, les phalanges moyennes. Donc, cette dernière, c'est l'articulation, bien les, il s'agit quatre, les articulations interphalangiennes proximales, toujours à l'exception du pouce. Il s'agit seulement de deux phalanges, pas de notion de proximalité et de distalité. Et là, voilà, entre la deuxième rangée, donc les phalanges moyennes et les quatre phalanges là, qui sont situées plus distales, les P3. Donc, entre P2 et P3, on a l'articulation interphalangienne distale et pas proximale, faites attention. Et entre P1 et P2, on a les articulations interphalangiennes proximales. Faites attention à confondre entre ces deux nomenclatures. Donc, lorsqu'on est rapproché vers le carpe, c'est proximal. Ça, c'est une astuce pour vous. Lorsqu'on est vers l'extrémité des doigts, ça, c'est distal. Lorsqu'on est directionné vers le pouce, ça, c'est latéral. Lorsqu'on rapproche du cinquième doigt, du petit doigt, ça c'est médial et ça c'est votre repère. La voilà en tridimensionnel. Donc, ça c'est pour le pouce, ça c'est la première phalange du pouce, et voilà seulement deuxième phalange, pas de trois lignes. Et pour le reste, donc ça c'est P1 du
premier doigt, P1 du deuxième, P1 du troisième. Bien, ça c'est le deuxième, troisième, quatrième et le cinquième os. Bien, le cinquième doigt. Ça, la deuxième rangée, ça c'est P2. Et là, les plus petites, c'est les P3 et qui sont les plus distaux. Voilà, ça c'est le lieu de l'articulation interphalangienne proximale, IPP. Et voilà la deuxième là qui est les articulations interphalangiennes distales ou bien les IPD en abréviation, c'est de la même nomenclature. Et dernièrement, les dernières plaques. Donc il nous reste que l'anatomie palpatoire et l'aspect clinique. Donc notez-vous bien, donc, il s'agit là d'une structure que vous êtes censé de la connaître. On appelle cette localisation là, c'est de la tabatière anatomique. On insiste sur cette dernière et on va là expliqué en détail dans le chapitre de myologie. C'est un repère anatomique qui nous permet de palper plusieurs structures, soit tendineuses, artérielles, et même, là voilà, donc, c'est la palpation du scaphoïde, faites attention, du condyle carpien à la tabatière anatomique. N'oublie pas cette notion, bien cette structure qui est représentée dans la face palmaire, c'est la face dorsale de la main. Donc, voilà votre scaphoïde, il est palpable. Si on vous pose la question, vous allez répondre, c'est dans la tabatière, n'oublie pas ce terme, votre tabatière anatomique, on va la détailler très prochainement. Et dernièrement, pour l'intérêt radiographique, si on vous pose la question, quand vous allez demander la radiographie des mains, c'est en pédiatrie lorsque vous allez déterminer l'âge osseux, rechercher les points d'ossification. Donc, c'est parmi les examens, bien les bilans à prescrire en cas de retard de croissance. Donc vous allez revoir cette notion en cinquième année pour la pédiatrie et en traumatologie, la radiographie de la main gauche. Et voilà, donc ça c'est votre âge osseux, vous êtes en train de noter, voilà en haut. Donc, tout ce qui est opaque, donc ça c'est pour vous, tout ce qui est opaque c'est de l'os. Tout ce qui est radiotransparent, ça c'est du cartilage. Et voilà, vous êtes en train de noter quelques points d'ossification. Donc, voilà. Un premier point d'ossification là, deuxième là, troisième là, c'est l'épiphyse. Ces points d'ossification, ils vont nous aider à déterminer l'âge osseux. Et voilà, vous êtes en train de noter, si on vous pose la question, cette main là, elle a un âge osseux, ou bien elle est plus mature par rapport à cette main là. Donc là, vous êtes en train de noter de plus grands points d'ossification. Donc là, 3 et 4. Et là, par contre, vous êtes en train de noter que la main de ce enfant, elle est constituée d'un mélange de os et de cartilage. Donc ça nous détermine, donc cette radiographie va nous aider à déterminer l'âge osseux de notre patient. Donc l'âge osseux d'un enfant peut être apprécié par une radiographie du poignet de la main gauche. C'est à prescrire, on répète, en cas de retard de croissance ou de prématurité. Cet âge est en rapport avec l'ossification, comme on a expliqué, de l'os du corps et les os du corps, les épiphyses des os longs et même du poignet de la main. Donc voilà, comparez-vous cet aspect-là, ça. Carpe. Donc, plusieurs points d'ossification qui sont situés dans le carpe. Par contre, là, vous êtes en train de noter seulement deux points d'ossification et voilà, vous pouvez déterminer votre âge osseux et bien votre maturation osseuse chez votre patient. Donc ça, c'est tout pour l'ostéologie du membre supérieur. On va engendrer prochainement l'arthrologie et on va revoir toutes ces notions-là, toutes ces articulations qu'on a vues, soit interphalangiennes, intermétacarpiennes, carpo-métacarpiennes, métacarpophalangiennes, tout ça, on va détailler dans le chapitre d'arthrologie. Donc, merci pour votre attention, on va engendrer prochainement l'arthrologie. Bon courage et à la prochaine, chers étudiants.